Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Appel du Roi. Aujourd'hui, pour ma capsule Conseil du Pro-Staff, je vais vous parler de chasse au dindon sauvage. Je vais vous parler spécifiquement des premières minutes de chasse. Pas nécessairement les premières minutes à l'ouverture, mais les premières minutes à tous les matins, surtout si vous allez à la chasse très tôt, que vous arrivez à noirceur. Je parle de ça quand je donne mes cours de séminaire de chasse au dindon. Puis je parle de ça aussi dans mes conférences. Je donne des conférences de chasse au dindon sauvage. Puis je parle de ce que je vais vous mentionner dans quelques minutes. Puis ça allume bien du monde. Puis je me suis décidé, j'ai dit, je pense que je vais en faire une des capsules de conseil du pro-staff. Vous savez comme moi qu'à la chasse, il n'y a rien de définitif. Là. Fait que ce que je vais vous raconter là, c'est des notions, c'est des choses que j'ai remarquées, que je vous conseille de faire attention. Mais il n'y a pas de vérité absolue à la chasse. Là. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais si on y voit que le gros bon sens, des fois, ça nous aide à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, si je fais une analogie avec les autres chasses, mettons chasse à l'orignal. Chasse dindon à l'orignal, c'est pas mal mes deux chasses préférées. On part le matin, on débarque du camion, mettons, vous en allez à votre spot, il fait noir, c'est pas encore tout à fait les heures de chasse, mais vous voulez vous déplacer pour être rendu au bon endroit. Puis là, un moment donné, là, vous promenez, vous entendez quelque chose. Là, vous dites, tabarnouche. OK? Fait que c'est quoi la réaction qu'ont les chasseurs habituellement? Bien, mettons, ils entendent un orignal, ils vont entendre quelque chose. Ils vont répondre automatiquement. Parce que les chasseurs de dindons, pour la grande majorité des personnes qui chassent le dindon, c'est des personnes qui chassent aussi d'autres gros gibiers. Là, fait que, on est habitué que quand on entend l'animal qu'on veut chasser, on a tendance à répondre. Pour ceux qui ont déjà été à la chasse au dindon, quand on arrive le matin très très tôt puis qu'on vient pour s'installer, les dindons sont encore tous perchés. Les mâles, ils gobblent pas à peu près. OK, les autres, là, c'est leur façon. C'est le matin que les mâles vont se faire entendre le plus. Ils sont tous dans les arbres, mâles femelles, puis là, ça gobble, puis là, ça crie. Puis, ce que moi, je considère une erreur que plusieurs chasseurs font, les gars s'installent à noirceur, puis le kit, puis là, une fois qu'ils sont installés, puis il n'y a pas un dindon descendu, les dindons sont tous dans les arbres, là. Les gars commencent, là, puis ils commencent, là, pas avec... Des petits cordes doux, là. Les gars, ils s'en vont bien. Puis les gros yelps, puis la femelle excitée, puis tout. Relaxez. Prenez votre temps. Écoutez bien, là. Regardez toutes les vidéos que vous voulez, là. Puis moi, j'en ai regardé plusieurs vidéos, là, de dindons sur YouTube, un peu partout, là. Les dindons, ça s'accoupe au sol. Si vous êtes capable de me trouver une vidéo qui montre mâle, femelle, dindon en train de s'accouper dans un arbre, là, je vais être bien content de voir ça. Mais j'en ai pas vu à date. Puis les premiers qui descendent, j'ai remarqué ça aussi, c'est souvent les femelles. Les derniers qui vont descendre, c'est souvent les gros tomes. Ça entend à pas loin d'un kilomètre, puis ça voit à pas loin d'un kilomètre. Fait que les autres, ils attendent que le soleil se lève, ils sont perchés, ils se font entendre, c'est le territoire, ils appellent, regarde, là, moi je suis ici, ils peuvent voir au loin, parce que printemps tôt, en plus, il n'y a pas tout le temps des feuilles. Fait que, eux autres, les gros mâles, les beaux tomes, souvent, moi j'ai remarqué qu'ils font partie des derniers à descendre. Ça fait que, eux autres, si vous êtes là en noirceur, puis vous faites des gros yells, puis en ouais, puis là, la femelle, elle crie, viens-t'en, mon amour, je suis prête. Là, lui, il va dire, qu'est-ce qu'elle a, cette folle-là, matin, là, c'est pas normal qu'elle crie de même. Une femelle, ça fait pas de yell dans un arbre. La femelle a fait des yells pour attirer le mâle pour s'accoupler, mais elle ne s'accoupe pas dans un arbre. Fait qu'elle va attendre d'être à terre. Puis quand elle tombe à terre, elle commence à faire des à faire douce, puis elle picasse. Puis là, un moment donné, là, elle va se mettre en position. Fait que les boys, les girls, les chasseurs, attendez. Moi, je vous conseille, attendez avant de faire des gros yells le matin, allez-y mollo. Attendez au moins qu'il y ait des dindons qui aient commencé à descendre.
Quand les tendons commencent à descendre, puis que le jour se lève un peu, ben, c'est que c'est en temps calé. Puis il y a du monde qui vont écouter ça, ils vont dire « Ah, oh, moi, là! » Puis j'ai vu un commentaire, là, même, sur Facebook, là. « Ah, oh, là, moi, là, je le colle, puis je le tiens, là, puis là, il est craqué, là, puis il descend, puis il s'en vient sous moi, là, puis il est craqué bien dur, puis il est hard, puis tout. » Est-ce que ça peut arriver, ça? La réponse, c'est oui, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette infaillible en chasse. Est-ce que ça se peut que toi, tu arrives là, tu colles, puis il fait noir, puis tu colles, puis t'en pognes un qui est craqué, puis lui, il a juste le goût de descendre, puis s'en venir sur toi pour voir c'est quoi ton problème, puis là, bang, tu le ramasses. Mais c'est pas la tendance. Allez-y avec la façon logique. Là. Il y a des chasseurs de chevreuils. Moi, je connais des chasseurs de chevreuils. Là. Ça fait attention à tout, au bruit, aux odeurs, puis à l'heure qu'ils vont aller, puis tati, puis tata, puis tu sais. Puis il y en a d'autres qui font attention à peu près à rien, puis ils récoltent, puis il y en a d'autres qui... Bon, il n'y a pas de recette miracle, mais moi je vous dis, allez-y avec le gros bon sens. Les dindons, ça s'accoupe au sol. Ça fait attendez, même si dans notre profond, à nous autres, on est habitué, on entend caller, on veut caller, on veut répondre, bien, attendez. Attendez un petit peu, attendez qu'ils descendent, le kit, puis... Commencez doucement vos appels, commencez vos yelps, puis là, ben, ça devrait bien aller. À longue, je suis sûr que vous allez avoir plus de résultats positifs d'agir comme ça que de résultats négatifs. En tout cas, moi, ça a été pas mal plus payant de cette façon-là. À date, depuis que je chasse, je récolte régulièrement, j'ai récolté plusieurs beaux temps, puis j'attends. Patience, toute la quête. Puis cette année, évidemment, je vais rechasser encore avec ma courroie élite, parce que moi, je l'utilise en presque toutes mes chasses. Là, puis là, regarde, vous voyez à l'écran que la courroie élite, pour le dindon, c'est merveilleux, ça aussi. On a les mains libres, puis on a l'arme en avant de nous autres, puis ça va bien. Puis cette année, en tant que pro staff aussi pour les équipements extrêmes CG, les produits extrêmes CG, on est rendu avec des cordes à dindon. Fait que d'entrée de jeu, j'avais... L'Hard Wars qui était fait avec un produit acrylique. Mais on a aussi des boîtes, on a des diaphragmes. Puis on a aussi cette boîte-là en bois, faite par un artisan du bois, un collègue pro-staff qui est avec nous autres, qui a un talent fou. Et puis cette Hard Wars-là en bois, ça sonne, ça a une sonorité incroyable. Fait que les cette année, ma courroie élite, puis je vais avoir des calls, des produits extrêmes CG avec moi. J'ai drôlement hâte à l'ouverture. On est au début avril, ça s'en vient. La chasse, ça rouvre le 27 avril 2018 cette année. Je vous souhaite une bonne chasse, puis pensez-y. Les dindons, ça s'accoupe au sol, pas dans les arbres. Ça fait que patientez avant de faire vos super calls. Bonjour, à la prochaine. Je vous invite à aller voir toutes mes autres capsules de conseils du pro-staff, soit sur YouTube ou sur mon site web de www.lappelduroi.com. Bye, à la prochaine!